à l'heure encore, j'ai rencontré, c'est vrai, ce matin, j'ai fait quelques courses sur le secteur de Sainte-Foy, et j'ai rencontré des personnes qui, sans rien me demander, m'ont dit leur encouragement pour cette jeune femme qui m'ont dit qu'ils semblent vouloir transmettre des valeurs qui nous sont nécessaires et que nous partageons, bien sûr. Nous aimons et nous encouragerons, Liliane, qui est à l'écoute, à la proximité et au travail, pour le mieux et pour le bien de tous. Alors je dis bonne chance à Liliane, je lui souhaite de tout cœur d'être élue, et en passant, avant de clôturer, n'oubliez pas les procurations. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous m'apportez votre soutien financier au travers de ce repas. Je vous en remercie, mais alors du fond du cœur, et sachez que je ne suis pas une ingrate. Pour tout le monde, je serai là à tout moment et je compte bien que le 20 et le 27 au soir, nous sortons gagnants, mais vraiment gagnants de cette épopée, de ce challenge. Car vraiment, comme je le disais l'autre jour, le seul rêve que j'ai, c'est de vous rencontrer, de continuer à vous rencontrer et de vous aider au quotidien. Sachez, comme me dit mon slogan, je serai toujours là, je serai au cœur de votre quotidien. En amitié, en aide pour le montage des dossiers, je veux être le conseiller général de proximité et d'écoute. Moi, je voudrais dire que cette élection, c'est important. De toute façon, on est les meilleurs. Ne vous inquiétez pas, on va gagner, ça c'est sûr. Pas de souci. Mais par contre, comme vous disiez Liliane et Annie, pensez surtout aux procurations, parce que ça, c'est une chose qui peut nous aider et qui peut nous favoriser. Parce que pour l'élection de Gérard en tant que président des maires de Gironde, s'il n'y avait pas eu les procurations ou les pouvoirs, eh bien, il n'aurait pas été élu président. Donc c'est très très important. Voilà, donc moi je ne vais pas être très très long parce que vous avez peut-être un peu d'appétit. Mais croyez-moi, on fera avec Liliane, on fera tout le nécessaire pour que ce canton aille le mieux possible. Et surtout, quand on prend le relais de Gérard, depuis 37 ans, il va falloir se mettre au travail parce que c'est vrai que lui, il faisait du bon travail quand même. Voilà. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec vous à nouveau. Et je voudrais aussi remercier Liliane d'avoir accepté donc d'être candidate pour représenter le canton de Pujol et puis aussi son suppléant, Alphonse Zecchini. Remercier Madame le maire qui est toujours à nos côtés, Annie. Merci Annie de nous accueillir ici à 12 ans. Nous avions une réunion de la comité aux communes il y a quelques jours, lundi dernier, ici dans cette salle. Et nous avons fait du bon travail parce que nous avons décidé de mettre l'aire des gens du voyage à 12 ans. Alors, vous voyez, ça c'est du bon travail, ça. On est heureux de les accueillir dans le ballon. Je vais pas rester à ce Et aussi, je voudrais saluer Francis Capafon, que peut-être tout le monde ne connaît pas, qui est donc le directeur de campagne de Liliane. Cette élection était très importante, contrairement à ce que disent nos adversaires, car nos adversaires aujourd'hui, sur 63 conseillers généraux, en ont 50. Donc il faut quand même que l'opposition existe dans ce département, même on sait que ce n'est pas cette élection qu'on va renverser la tendance. Donc la tendance ne sera pas renversée donc, en 2011. Donc je vous disais 50 à 13. Nos adversaires disent que c'est la réforme territoriale qui est en cours, qui bouleverse toutes les choses. Mais le contribuable que vous êtes souhaite qu'une chose, c'est payer moins d'impôts. Et plus on empile les structures, plus on paie d'impôts. C'est-à-dire que vous avez la commune, après vous avez l'intercommunalité, ensuite vous avez le pays qui ne sert à rien, vous avez également le département dont les compétences par la loi, qu'on a dans quelques jours, sera faite pour 3 ans, et ensuite ça sera donc le développement, la mise en place des conseillers territoriaux. Mais l'objectif, c'est d'avoir moins de dépenses et aussi moins de gaspillage. La France est moins riche que ce qu'elle était et nous le constatons tous les jours, il faut faire le maximum d'économies, ce qui veut dire que Liliane travaillera avec beaucoup de compétences comme nous les connaissons. Elle a prouvé en tant que maire de Saint-Pey, elle a prouvé en tant que présidente du RPI et grâce à cette compétence, nous aurons la meilleure conseillère générale qui ne sera pas sectaire et qui sera à l'écoute de ses concitoyens, c'est-à-dire des habitants du canton de Pujol. Merci et bon appétit. Thank you.
saluer Liliane qui est ici, saluer son suppléant, Alphonse Zéquigny qui est maire de Juillac, comme chacun sait, saluer monsieur le maire, bien sûr, de Saint-Jean-de-Lignac, il y a notre maire ici, moi, Francis, bien sûr, madame Galineau, le maire de Doulezon, le maire honoraire de Pessac-sur-Dordogne, que j'ai plaisir, mon ami Michel Thomas, à saluer, et puis vous toutes et vous tous, et aussi la suppléante de Lille d'Avicourt. Donc, qui est à cheval sur Rosan et sur Terre, c'est ce que nous avons fait pour nous entendre. Donc, merci Marie-Christine d'être avec nous ce soir. Moi, je voudrais une mention particulière pour Yves. Yves Damécourt est le président donc, du groupe Gironde d'Avenir au Conseil Général. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis qui êtes venus m'encourager, je m'engage à fédérer les viticulteurs du canton autour d'un projet de regroupement d'intérêts économiques pour commercialiser les vins du canton. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce projet? Une expertise juridique, un accompagnement des structures institutionnelles de référence et une volonté commune. Je suis en mesure de disposer de ces moyens-là avec la détermination que vous me connaissez. En quoi n'est-ce donc pas réalisable? Retroussons-nous les manches et mouillons notre chemise. Mais c'est ça le vrai travail du conseiller général. Et c'est ainsi que je souhaite devenir votre conseillère générale. Alors, voilà ce que j'ai répondu à cette jeune femme sincère avec moi. Je ne suis pas là pour vous faire des promesses au gré du vent. Ce n'est pas pour cela que je me présente et ce n'est pas pour cela que je vais être élue. C'est pour réaliser ce véritable contrat de confiance tel que je vous l'ai défini dans mon programme. La deuxième leçon de l'entretien avec cette jeune femme, c'est l'écoute. Je l'ai toujours dit, c'est mon arme la plus redoutable. Je ne suis pas quelqu'un qui serre des mains sur le marché de temps en temps sans regarder les gens. J'ai toujours mis un point d'honneur à accompagner les personnes qui me sollicitent jusqu'au bout de leur démarche. Je suis disponible pour cela et c'est comme ça que je travaille. Mon mari et mon fils en savent quelque chose, mais ils acceptent et me soutiennent. J'en profite encore ce soir pour les remercier de leur important soutien quotidien durant cette campagne. L'écoute, cela signifie d'entendre les problèmes, mais également de leur trouver une issue. Mon programme est en fait un résumé de ces solutions et rien d'autre. Je ne suis pas allée chercher un programme sur les étagères du Conseil Général. Mon programme est bâti avec des éléments concrets. Pour l'écrire, il m'a fallu d'abord écouter et tester mes idées. J'ai ainsi pu rencontrer des jeunes. Nous avons parlé ensemble de l'amélioration des transports en commun sur le territoire, réaliser un diagnostic et faire évoluer les horaires et les trajets par rapport aux besoins du terrain et une solution facile à mettre en place. Nous avons également évoqué des lieux de divertissement et de pratiques sportives. Je veux travailler et je m'engage auprès des communes du canton pour appuyer leurs projets de city-stade, de salle des fêtes, de foyer des jeunes et mettre en réseau tous ces équipements au bénéfice de tous. J'ai eu l'occasion d'être invitée dans des nombreuses assemblées générales d'associations. Nous avons là une richesse incroyable. Je salue d'ailleurs tous les bénévoles qui œuvrent sur notre territoire. Leur générosité est sans borne. Et ils doivent être soutenus pour pouvoir continuer à organiser fêtes, loisirs, actions de solidarité. Répondre à la sollicitation des plus fragiles. Voici un domaine où il faut beaucoup écouter pour soulager dans un premier temps. Je pense bien entendu à nos seniors et aux malades. Pour cela, je propose de multiplier et de diversifier les offres de prise en charge de nos seniors, maisons de retraite, maintien à domicile, soutien médicalisé, résidence pour personnes âgées, famille d'accueil. De plus, il est évident que le maire est souvent le premier interlocuteur des personnes en difficulté. Ils viennent nous rencontrer et personnellement j'en suis fière. Enfin, de renforcer ce lien social.
social au plus près des gens, il est indispensable d'informer davantage les secrétaires de mairie du canton afin qu'elles puissent accompagner les administrés dans le montage de leurs dossiers. De même, aller plus loin en réalisant des maisons de services publics sur le territoire du canton, accueillant les services de la MSA, de la CAF, du Pôle emploi. Là non plus, je ne fabule pas en imaginant ce projet. Ce projet n'est pas irréalisable. Une expérimentation est actuellement lancée par l'État pour réaliser ces maisons de service. Je suis déterminée à positionner notre territoire avec le soutien de Gérard César, toujours là, toujours à mes côtés, pour obtenir des financements avec ce dispositif. C'est un appel, par la même occasion. Demain, notre économie locale, nos viticulteurs pourraient évoluer si nous mettons tout en œuvre pour promouvoir notre belle région. C'est la raison pour laquelle nous devons favoriser l'évolution du tourisme rural, l'aménagement du territoire, la mise en place d'une signalétique. Je pourrais encore vous parler pendant des heures de toutes les rencontres de ces dernières semaines et des solutions que nous avons élaborées ensemble. Mais je ne vais pas abuser de votre patience, surtout lorsque je vous fais un discours sur l'écoute. Ces derniers jours, il m'a été formulé une question de la part d'une de mes administrées qui m'a dit clairement « Mais si tu es conseillère générale, vas-tu rester notre maire ?» Ma réponse a été oui, et du plus profond du cœur, parce que je pense que une maman d'une grande famille, qu'elle ait un enfant ou qu'elle en ait 10, elle les aime, elle est dévouée de la même façon. Aujourd'hui, c'est caricatural, mais j'ai 628 enfants chez moi à Saint-Paye. Et si vous le voulez bien, dimanche soir, déjà on pourra voir, si je peux en avoir, 7500 à porter dans mon cœur. Votez pour 7 personnes, votez pour une personne, votez pour Liliane Poivert et Alphonse Equiniche. Poivert 269, Salette 73, Dessimoulis 12, Ruseille 31. Ça donne pour l'instant Liliane 42,91%, Madame Salette 33,24%. Monsieur Dessimoulis, je pense bien, 6,44%. Monsieur Russaille pour le Front National, 17,41%. Étant entendu que Monsieur Russaille n'atteint pas les 12,5% des inscrits, il ne peut pas se maintenir au deuxième tour. Monsieur Dessimoulis non plus, donc on aura, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats de Flaujac, un deuxième tour entre Madame Poivert et Madame Salette. Thank you.
Nombre d'électeurs inscrits, 5685. Nombre d'émargements, 3373. Nombre de bulletins et enveloppes annulés, 206. Nombre de suffrages exprimés, 3167. Madame Poivert, 1705. Marie-Émilie Salette, 1462. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. J'ai toujours dit pendant ma campagne que, à l'issue de ce scrutin, nous serions 16 communes à travailler ensemble. Et demain, 16 communes travailleront ensemble. Merci beaucoup de votre attention. On se verra plus tard pour faire davantage de travail et de collaboration. Mais je serai le conseiller général de tous les citoyens et de tous les élus du canton. J'ai pas de mots assez forts pour vous remercier, mais je prendrai contact régulièrement avec vous. On travaillera main dans la main, puisque vous devez m'épauler dans ma jeunesse de mandat.